Bon bah salut tout le monde, hein. On est salut. Nous voilà vite de retour. Parce que en allant faire mes courses au Aldi ce soir comme tous les soirs, j'ai redécouvert une Madeleine de Proust que je n'avais pas bu depuis de fort longs mois. Une vidéo qu'en général on ne trouve qu'exclusivement en Allemagne. Eh oui, la Fax 10 degrés. Bon, c'est pas la version d'un litre, hein, parce que on n'est pas des Allemands non plus. Et figurez-vous qu'on en a, on a goûté en post-prod. Et y a quand même pas mal de choses à dire sur cette bière, je trouve. Bon, déjà, elle est à 10 degrés. Avec le goût de la Fax. D'ailleurs, c'était quoi que t'avais dit sur la Fax ce léger goût de flotte. Oui, bon, classique. Tu retrouves. Ça attaque direct. Mmh. T'as les 10 degrés, tu les sens immédiatement. C'est vrai que c'est... Après, dans le fond de la gorge, t'as le goût de la flotte de la Fax. Ouais, d'où le double avantage de cette bière, c'est que c'est une bière qui attaque direct. Elle passe pas par quatre chemins. Et au final, quand tu la bois, quand elle descend dans ton gosier, c'est comme si tu buvais de la flotte. Très désaltérant. C'est rare pour une bière à 10 degrés. C'est vrai. C'est vrai, genre une... Mettons, genre tu bois pas moi une... Pas mec, une 8-6 extra forte ou une Starling 10 degrés. Genre, t'as pas la deuxième gorgée, appelle pas forcément la première, tu vois. Alors que là, genre, ça se boit comme de, enfin, comme de la flotte. Elle est désaltérante. Ouais. Après, disons que c'est comme beaucoup d'alcool qu'on a déjà testé, c'est pas pareil les premières gorgées. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et j'aurais dû en acheter plus, comme ça, on aurait vraiment eu le retour de bâton. Donc maintenant, on n'est pas sur un mélange bizarre où on a un petit verre. On est sur une canette de bière. Bon, mec, franchement, je trouve ça passe. Hein. Ouais. Il me reste encore un peu. Au bout de quelques gorgées, c'est normal, en fait. Ouais, on s'accommode plus à cette bière qui a une maximator. Et pourtant, seulement 1,4 degré ou 1,2 degré, je sais plus trop, les sépare. Oui, c'est vrai. Ouais. Et un autre truc à rajouter sur ce breuvage, c'est que elle a un autre avantage, c'est qu'elle essaye de se faire passer pour une IPA, parce qu'il y a quand même une certaine amertume en bouche. Ça, expérimentés ne sont pas passés à côté. Une belle amertume, hein, en somme. Ce que je retiens de tout ça, moi, c'est qu'on pourrait la servir en pression dans des bars, l'appeler Fax IPA. Ça passe, ma foi, ça passerait tout seul. Ah, ça ressemble quand même pas à une IPA du tout. Hein. Non, mais essaye de se faire passer pour une IPA. Alors, c'est comme si une croix d'embourg se faire passer pour une météore, tu vois. Ouais, mais les mecs dans les bars qui prennent des IPA, en général, c'est des gars. Voilà. Ouais, c'est pas ouf. Le type, il va sentir ça, il va dire que c'est pas une IPA, il va faire son scandale. Ouais, mais c'est bon, ouais. Ouais, bon, après, en même temps, c'est pas dans... C'est sûr, c'est pas des mecs comme nous qui allons faire un scandale. Mais attendez, c'est pas une fac si vous m'avez servi. C'est quoi, ça a été plus à de merde. Non, on va juste en battre les couilles, on verra 10 degrés. Je vais boire ma bière. 7 euros 10. Bon. Attends, c'est quoi, c'est... Je bois ma bière et puis je suis fier de bosser sur un track d'asphalte. Ouais. Ouais, on connaît les paroles. Bon, je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Hein. Après, on va boire de la bière d'abbaye. Aussi provenance du Aldi. Hein. Ouais. Ouais. Et là, ça, c'est à Abbaye de Crespin. Ouais. C'est pas celle qu'on trouve au Normand. J'ai jamais su comment on prononçait vraiment Crespin ou Crespin. Mais ça se trouve au Aldi. Mais non, si c'est écrit genre en mode vieux français, ça se dit Crespin. Ouais, mais en vrai, j'en sais rien. Enfin, ouais. Allemagne. La bière d'Abbaye du Aldi. Tu remarques que le cadre, il descend de plus en plus. Ouais, parce que merde, c'est la fin de... Putain. Ouais, savez-vous qu'on est en terrain glissant? Donc le cadre glisse aussi un peu. Bon, en vrai, sans deck, c'est quand même une des bières fortes que j'ai bu, genre entre guillemets low cost. Bon, qui se voit vraiment le plus facilement. Elle coûte combien, on va le dire 1,69. Mec, la bière à 10 degrés, là, extra strong, ouais, qui coûte 97 centimes. Elle se boit beaucoup, elle est plus compliquée. Hein. Ouais. Et là, on est sur le même grammage d'alcool. Plus celle-là encore. Franchement, pour 69 centimes de plus au Aldi, moi j'ai dit, je suis prêt à payer la différence. 69 centimes, tu t'achètes une bière forte du Lidl. Ouais. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Bah voilà, hein, on a dit ce qu'on avait à dire. Hein. Alors, bonne soirée, bonne matinée. Hein, voilà. Et coupé.